Alors, prévoir ou prévenir les complications, c'est un des enjeux dans la prise en charge du syndrome des thrombose vasculaire. À l'heure actuelle, à la différence d'autres maladies artérielles génétiques, on peut prendre comme exemple le syndrome de Marfan, on ne fait pas de suivi, par exemple, de diamètre des artères, et puis à partir d'un certain diamètre, on dit qu'il faut intervenir pour éviter une complication. Souvent, les complications dans le syndrome des thrombose vasculaire surviennent sur des artères qui, sur des examens d'imagerie, étaient strictement normales. Donc il n'y a pas moyen finalement de prédire la survenue d'une complication. Il y a des mesures prophylactiques qui sont, elles, préconisées et que l'on aborde dans une autre vidéo.